acheté des napkins. Ouais. Mmh. Tiens. Je pense que c'est le temps d'y aller. Ouais. On va te prendre ton bâton pour pas avoir l'air trop louche. Fais attention. C'est le seul souvenir que j'ai de mon frère qui a disparu en haute mer. Il était parti en mission au large de la Nouvelle-Écosse, dans les eaux internationales. Leur navire a frappé une vieille mine rampante, VP, celle qui se déplace librement en dessous de l'eau, un vestige de la Grande Guerre. Leur bateau s'est littéralement brisé en deux. Mon frère a eu les jambes arrachées. Il s'est retrouvé à l'eau avec les autres. À travers les débris, il y avait ce bâton de hockey. Personne ne savait d'où ce qui venait. Mais mon frère, qui souffrait terriblement, s'y est attaché comme un ver à son hameçon. Le sang qui s'écoulait de son corps a attiré des bêtes. Des requins? Eh non, il n'y a pas de requins dans ces eaux-là, voyons donc. Il y a juste des petits poissons de mer qui sont venus se nourrir à même les tripes flottantes de mon frère. Des anchois, des caplans, des maquereaux. L'avantage pour les autres, c'est que les entrailles de mon frère lui servaient de garde-manger. Il avait juste à se passer la main, puis il pouvait se sortir un petit poisson comestible. Du sushi, quoi. Juste avant de mourir, il nous a dit de me ramener ce bâton de hockey-là, en signe de l'amour qu'il avait pour moi. Il paraît qu'au moment de son dernier souffle, il y aurait une sardine qui aurait sorti du nez. Elle se serait faufilée dans les conduits de son corps. La Marco Polo des sardines. Leaves for Horton. Horton in the corner locks up with Eller. And now we get a whistle. Yeah, the net's off its moorings down behind Tuukka Rask. They would allow this play to continue. What? Way! 2 seconds to go in the first. Way! Il y a de la part de Mickey. Mickey, il va bien? Ah, il y a un message pour toi. André, tu me dois 27 625 $. Paul Alexandre est chez vous pour que tu lui remettes l'argent. Si t'as pas d'argent, tu le perds en nature. En nature? Mickey, c'est quoi en nature? Une jambe cassée, c'est 10 000. Un bras, c'est 5 000. Une main broyée, c'est 1 000. Les extrémités, comme les doigts, les orteils, les oreilles, le nez, c'est de 100 à 500, ça dépend ce que je fais avec. Puis, je touche pas aux parties génitales, j'ai quand même mes principes. Je vais payer, là. Il faut juste me donner un peu de temps. Je vais tout régler ça. Juste quelques jours. Quelques heures, là. Quelques téléphones, puis je règle tout ça. T'as pas l'argent, tu vas payer en nature. Tu vas voir, je vais bien travailler. Ça sera pas trop salissant, puis les os devraient se ressouder sans problème. Les os?
pour arriver au montant, il faut que je te casse les deux jambes. Puis je vais me contenter de travailler une seule main, en fait, la même main que le bras. Toi, t'es droitier? Ouais. Bon, ben ça va être le bras gauche. Hey, P.A. Je peux t'appeler P.A.? Ben moi ici, j'étais un partisan des Brooms. Ray Bourque, Biotic, Esposito Bobby Orr, Middleton. Hey, des joueurs incroyables, des brutes talentueuses. T'as vu jouer Bobby Orr, toi? T'as quel âge? Je vais faire attention en te cassant le bras. Non, moi, j'ai tout le temps aimé un peu plus Cam Neely. Cam Neely. Cameron Michael Neely. Hey, un des meilleurs scoreurs de tous les temps. Hey, sans farce. Dans mon livre à moi, là, c'est l'égal des Maurice Richard, Bossé, Hall, Gretzky, le mieux. Puis tu sais pourquoi? Hey, you bet. Hey, 50 buts en 44 matchs en 94. Hey, sacrement. Il y a un Gretzky qui a fait mieux. Et puis il revenait d'une blessure sérieuse. Ben oui, tu sais. Hey, Ulf Samuelsson, il avait brisé la hanche 2 ans pour ça. J'ai toujours eu envie de lui rendre visite à ce dirty Swedish. Moi, un joueur que j'apprécie bien chez les Bruins, là, c'est Andrew Ferentz. Andy. Bon défenseur, petit mais solide, capable d'être hypocrite. J'ai bien aimé ses interventions sur la violence dans la dernière saison. Ouais, je me rappelle. Il condamnait l'inutilité de la violence, condamnant même les gestes d'un de ses coéquipiers. Ouais, il disait qu'il fallait qu'on fasse tout pour que cesse les coups à la tête. J'y toucherai pas à ta tête. Mais justement, le problème, là, c'est ça, c'est la violence. Le hockey, c'est un sport de contact. Parle-moi plutôt, là, moi, j'aime pas mal mieux le style de Chabot. Non, je t'en veux pas, écoute. Je comprends ta réaction. Ça prouve quand même une affaire. C'est que t'es pas un indifférent. Oh, ouais, je suis un indifférent. Je te dis que je suis un indifférent. Fais pas le con, là. Fais pas le con, je suis un indifférent. T'as dit que je suis un indifférent. Je suis peut-être con, mais je suis fort. Le bâton. Ce bâton-là a une grande valeur. C'est le seul souvenir que j'ai de mon frère perdu en haute mer.